Beaune, sous le choc, l'annonce de la garde à vue d'Alain Suguenot a ébranlé la ville. Le maire depuis 23 ans de la commune est entendu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre X depuis plus d'un an pour des chefs de détournement de fonds publics, recel et blanchiment. Cet après-midi, le sujet était sur toutes les lèvres dans les rues de la ville. Je suis étonné, je suis surpris parce que c'était un mec qui était... Moi, je rencontrais de temps en temps et j'aurais jamais cru ça, moi. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise ? Maintenant, c'est tout. On en apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai travaillé même sous ses ordres, M. Suguenot. C'est pour ça, cette raison-là, je suis un peu surpris quand même. Mais vu la conjoncture qui se passe à l'heure actuelle, on est surpris de plus rien. Des membres de sa famille ont aussi été placés en garde à vue, selon une source proche de l'enquête, mais le procureur n'a pas confirmé cette information s'en tenant à un court communiqué. Côté politique, pas de réaction, hormis celle du conseiller d'opposition, Raphaël Bouillet. Moi, je regrette sincèrement que par ce genre d'éventuel comportement, encore une fois, je mets bien au conditionnel, on rajoute une nouvelle fois à l'image dégradée des politiques. On nous renvoie vers un ancien monde politique qui, visiblement, à différents étages, a été capable de malversations financières. C'est derrière ces murs qu'Alain Suguenot et trois personnes de son entourage sont entendus depuis ce matin dans les locaux de la section économique et financière de la police judiciaire de Dijon sur commission rogatoire du juge d'instruction. Une garde à vue qui peut durer jusqu'à demain matin et être éventuellement prolongée de 24 heures par le magistrat.